boutique a un an. Ça fait un an qu'on a ouvert le magasin d'Amarsport à Lille. Au total, aujourd'hui, on a 3 boutiques et le but, c'est de développer ce réseau-là. On a aussi un site internet qui fonctionne très très bien et on fait aussi de la vente par catalogue. Alors, le confort et le bien-être, c'est avant tout des produits qui vont être agréables à porter. Notre but, c'est pas de viser pour gagner un dixième aux 100 mètres ou ainsi de suite, c'est juste de se sentir bien dans son produit. Donc on a plusieurs niveaux pour ces produits-là et on est capable, en fait, grâce à Thermolactive, d'apporter beaucoup plus de chaleur avec beaucoup moins de poids. C'est ce qu'il faut, en fait, garder en tête. La cible, c'est toutes les personnes qui vont faire une activité. On cible vraiment des gens qui pratiquent leur sport au quotidien ou hebdomadaire et qui ont envie de se faire plaisir. Alors déjà, on s'appuie beaucoup sur la marque Damar avec tout le département recherche et développement. On leur fait tester des prototypes. Ils testent ces prototypes dans conditions réelles d'utilisation, alors qu'ils sont des conditions un peu plus intenses qu'un sportif de tous les jours. Et après, on s'appuie sur des champions. On a aujourd'hui 3 champions du monde qui travaillent avec nous en athlétisme, en ski de fond et en char à voile, donc qui correspondent aux différentes propriétés qu'on veut tester. Et on s'appuie aussi sur la caution des écoles du ski français, qui sont quand même une des institutions les plus anciennes et reconnues du ski. Et on a des moniteurs toute l'année qui testent nos produits et qui nous font des retours. C'est super important quand on fait du sport. Donc il y a beaucoup de mouvements, de gestes qu'on doit effectuer quand on fait du sport. Donc il vaut mieux être à l'aise et pouvoir justement bien faire ses mouvements avec les vêtements qu'il faut, quoi. J'apprécie beaucoup les vêtements sans couture. Ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. J'en ai beaucoup porté en compétition. Ce qu'on veut continuer à développer en priorité, c'est la gamme. Quand on a démarré la marque d'Amarsport il y a 3 ans, on avait 25 modèles. Aujourd'hui, on en a 200 dans la gamme. Après, on veut continuer à développer les magasins, donc clairement ouvrir de nouveaux points de vente. Et bien sûr, le développement de notre site internet, qui est un gros vecteur d'image pour nous et sur lequel on a un trafic de plus en plus important. Et dernier point pour nous, c'est tout ce qui est aspect communautaire avec notamment Facebook. Et on a aujourd'hui une page où on donne des conseils, on poste pas mal de choses. Et ça, c'est un axe qu'on veut développer très très fortement.